parti donc pour cette épreuve, alors qu'on est parti sur un bon rythme et qu'on va tout de suite tenter de mener l'épreuve avec King Kinadas et avec Brian Sunvenus également, qui s'est emparé du commandement et qui vient librement. Alors qu'Imperia Bell est bien calé dans son dos, on tente de venir également au centre du peloton avec Selton et Vona, les concurrents qui sont dans le tournant et toujours la même impulsion en tête, c'est-à-dire Brian Sunvenus juste devant Imperia Bell qui est là également. Selton et Vona et parmi les premiers tentent de approcher également. On ferme toujours la marche du peloton avec la casaque du Harald Molper à l'arrière-garde. Les concurrents qui vont aborder maintenant la phase finale de l'épreuve, et on a supporté le poids de la course avec maintenant King Kinadasé qui va tenter de repousser toutes les attaques, et Brian Sunvenus qui vient également bien juste devant Imperia Bell qui n'est pas loin. Selton Evona va tenter de refaire du terrain également. Les concurrents sont à 100 mètres du disque final, mais c'est Brian Sunvenus qui a fait la décision et qui se détache irrésistiblement du reste du peloton. Cosfor Perus revient de mieux en mieux, et puis King Kinadasé pour la troisième place, mais en toute désinvolture on va s'imposer avec Brian Sunvenus dans cette épreuve. Envolée de Brian Sunvenus, il est en tête devant le 21, 12 et 11 en même temps. Et le poney de Valentin Leclerc, c'est-à-dire le 6, 7, 21 et 6, voici l'arrivée de la 7e course.